Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle carrière. Comme vous pouvez voir, là déjà, j'ai skip comment ça s'appelle, le manager. Je vous montrerai tout à l'heure. On va jouer l'Inter. On va faire une carrière Inter Milan. Pourquoi? Parce que c'est mon club, tout simplement. Et je veux qu'il aille le plus haut possible, gagner plus de Ligue des Champions, tout ça. Ça va être très compliqué parce que l'Inter Milan sur FIFA, c'est pas comme ce qu'il montre sur le terrain en réel. Sur FIFA, en fait, je vous explique, hein, où ça, au bout de 33 ans, par exemple, ils perdent beaucoup de gènes rapidement. Et on a essentiellement des vieux, par exemple, Acerbi, même Darmian, hein, il a vite perdu. Cuadrado, pas, c'est un exemple. Les deux attaquants, là, Arnautovic et Sanchez, ça va être la même. Du coup, ça va être compliqué. En plus, du coup, on n'a pas le plus gros budget, parce que, par exemple, là, c'est la Juve. Même, je crois que là, c'est Milan en plus, faut que je regarde, mais... Bref, voilà. Ah oui, et aussi je joue sur un plugin réalisme. C'est très très bien ça. J'ai pas vu la simulant. Là. Ah non, ils ont moins. Bref, et du coup, ça va être les gestions des clubs faites par les bots, donc les IA. Elles seront beaucoup mieux ajustées. Genre, ça sera beaucoup plus réaliste et ça sera pas débile quoi. Ça sera pas de la merde ce qu'ils font. Donc, du coup, on va jouer l'Inter Milan. Et on va faire. On va commencer la carrière et ça va être. Je vous le dis d'avance, on va pas jouer en 3-5-2. Hein. Enfin en 3-4, en 3-1-4-2, c'est pareil. Bref, au début, moi j'ai mis la caméra. Mais je vais vite l'enlever, je pense. Parce que c'était pour le tout début, que pour le premier épisode. Donc, du coup, coup de pouce financier, bien sûr, d'un milliard, évidemment, sinon ce n'est pas marrant. Non, c'est faux. Commission européenne, durée période, mercato d'été, non, ça on s'en fout. Plus continuer. Voilà. Donc voilà, on va construire une nouvelle équipe avec l'Inter. Va falloir qu'on regarde et qu'on ajuste sur les recrutements du coup. Ça va être très important. Puis voilà, tout simplement. Oui, j'ai fait un truc test là. Pour vous dire, j'ai fait un truc vite fait pour tester tout à l'heure. Je suis allé en quart de finale contre le Bayern et j'ai pas joué le match retour parce qu'on s'en fout. C'était pour tester. Du coup, Inter. Gros masseux. Donc on va jouer l'Inter Milan. On va essayer d'honorer notre club. Diamo il benvenuto a San Siro. Comme vous pouvez voir, il y a écrit tout Coutinho, il nuovo comme le allenatore. chanteur Toto Coutinho. Sauf que je l'ai appelé Alessandro Coutinho. Et du coup, oui, on a des vêtements en plus. Avec le mode. Vision tactique, on est tout de suite sur les ailes. 4 étoiles. Voilà. Ah, tu vas me passer à 80. Ok. Putain, mon jeu est faible. Quel enfer. Plus de coach. Oui, bah, on va mettre le max. Attaque. J'ai un bon coach. On s'en fout de si c'est écrit de genre les mecs Excel et tout là. On va surtout prendre les étoiles, c'est le plus important. Le style technique, la vision tactique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Hop, toi en défense. Est-ce que j'en ai d'autres? Là maintenant. Toi pour le milieu de terrain. Allez. Pour l'attaque, j'ai personne, c'est une dinguerie. Vache. J'ai pas de 4 étoiles en plus, ça, tu vas me dire? Tiens, toi pour le gardien. Voilà. On va mettre un autre pour le gardien, écoute. Hein. On va mettre des 3 étoiles, hein, écoutez, en attendant. Parce qu'on va opti un max. Mettre de l'argent dans les coachs, ça ne me dérange pas. Je vais avoir un maximum d'étoiles pour de l'évolution. Ah, d'autres candidats. Attends, oui, il y a un spécialiste de l'attaque. Oui, ça part. Le terrain, j'aimerais bien en avoir un autre. Voilà. Je sais pas combien de places il me reste.
Il me reste que d'un étoile et deux étoiles. Bah oui, on va le prendre hein, du coup. Je joue qu'un coach. Enfin, ouais, 8 étoiles, 8 étoiles. Ouais. Mettre en défense, ça fera 11 partout. Allez, un bon coach, Showmax. Chier les 3 étoiles là. Ouais, sans, je peux pas faire mieux là. Ok! Et du coup, il écrit là du Rome évidemment. Ok, du coup, qualité idéale. Oui, bon, bref, ça on verra. On va voir notre joueur. On va voir tout de suite le dispositif et l'équipe. Ouais, de toute façon, c'est l'équipe qu'on connaît hein, de l'Inter. On a combien de gardiens, gros? C'est. Je sais qu'ils nous ont prêté Odero, ça je sais. Et que justement, on leur a prêté Sankovic. Odero, je sais pas si je l'achèterais. Je sais pas combien il vaut. Je sais pas. Je verrai à la fin de la saison. Mais je pense pas que je le prendrais dans tous les cas. Oh, Di Marco le GOAT! Ah oui, putain, on va faire les plans tout de suite. Tiens, on va faire ça. Sauter bien comme ça. Odero. Di Marco, le GOAT. Son Di Marco, il est bon dans toutes les matières. Pas se mentir. 4-5, oh, il lui aura pas touché. Pavard! Ah, oh, il a le maillot du Bayern, du coup, bah oui. Bastoni. Ah, toi, t'es bien strict en Bastoni, attention, hein. Ah, quoi, on va mettre comme ça plutôt. Putain, on a Bissek. Bissek est excellent dans la réalité. Bissek, il va avoir. Il y a une Bissek là, il est incroyable. On va mettre. On va faire ça. Dumfries. Denzel Dumfries. Bon, dans la réalité, il est pas excellent. Même si depuis le début de la saison, il est un peu bon. Mais je pense que je vais le garder, Dumfries. Agoumé. Il y a plus de trucs là. Hein. Ça, c'est avec le mode. Hein. Augusto. Alors, deux jeux latérales. Augusto qui remplacera Di Marco dans des matchs. On verra. Ah oui, d'ailleurs, par exemple, Fantasy et Augusto, par exemple, ils sont en prêt, ils sont pas achetés. Donc, voilà. Faudra faire gaffe. Klaassen. Milieu box to box. Mettre ça, ouais. Çalhanoğlu. Un bon milieu axial, hein. Nicolo le Goats. Mezzala. Ensuite, c'est qui ça? Stefano Sensi. Putain, il est là, lui. Sensi qui devait être un putain de joueur. Fratesi. Oui, on va faire ça. Mezzala, c'est bien pour lui. J'ai l'impression que Mezzala, c'est bien pour tout le monde. Après, Aslani, toi, t'es plus défensif. Donc, faire ça plutôt. Le récupérateur, voilà. Ah mais non. Bah on va mettre milieu axial. Mkhitaryan. Mkhitaryan, je pense qu'on va le vendre. Quadrado, bah en soi il est arrivé cette année mais. Du coup sans Quadrado je pourrais pas faire grand chose à mon avis. Hein. En Arnautovic pareil. Hein. Marcus Thuram. T'as un attaquant pressant, toi.
Ouais, t'as quoi avancer. Et Lautaro, bon, c'est Lautaro, hein, de toute façon, c'est un renard des surfaces, hein, lui on le sait. Hein. Il faudrait qu'on l'améliore sur. Par exemple, à 12 semaines, c'est bien ça. Pour Lautaro. T'as quoi complet? Voilà. Yann 34, 34 ans. Il fait une saison de fils de pute depuis le début de l'année, il est incroyablement trop fort. Juste sauvegarder déjà. Je vais enlever la caméra. Toc. Comment on fait? Comme ça. Voilà, c'était juste pour l'intro, j'avais envie de mettre la caméra. Maintenant, on l'en vire. En plus, il y a Inter qui joue à 21h. On l'a arrêté, là, il joue contre Salzbourg. Oui, c'est ça, Salzbourg. Ils vont. Bah, ils sont à domicile d'ailleurs, ils sont à Giuseppe. Oui, Alessandro Coutinho, d'accord, centre de formation. Tiens, on va la regarder. D'accord. 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 Que t'as des bons potentiels? Bah, toi déjà, potège. Non, pas toi, au-dessus. Toi, t'es sûr. Lui, à mon avis, il peut être intéressant, le Mexicain. Le gardien, en vrai, il repart trop bas, mais c'est possible qu'il soit intéressant aussi. Ah, attends, je l'avais mis plutôt en 9,5, mais. De toute façon, il va jouer les deux. Hein. En vrai, geste technique, c'est bien ça. Oh non, il va le laisser comme ça. Ok! Les attentes. Ouais. Pierre, je mets le mode si j'arrive. Oh, Arsenal qui vient de marquer! Avec Jorginho et tout. Jorginho, capitaine, incroyable ça. Beauvais qui a 21 ans. Non, il est en prêt lui. Il est à Milan. Colpani qui est intéressant aussi à voir pour le prendre. Rovella. Rovella, Rovella, Belle-Uv. Pourquoi je regarde ça moi? Est-ce que c'était les rapports? Ok, je me présente, un de tes recruteurs, je te présentais, t'expliquer. Oui. Bah, tu vas en Angleterre alors? Non, en France alors? Portugal, c'est intéressant ça. Ouais, j'ai mis 3 millions pour lui, mais. Bon. Du coup, on va regarder l'équipe, on va voir le dispositif qu'on va faire, parce que là, ce dispositif, il va pas. Mais Mkhitaryan, c'est sûr, on va le vendre. Je suis désolé, il est incroyablement fort cette année. Mais sur FIFA, bah, c'est pas pareil, quoi. On va le mettre sur les transferts. Quadrado. Ouais, Quadrado aussi. Je sais pas s'il a encore de la valeur. Ouais. Quadrado, on va le vendre aussi. Sanchez aussi, je suis désolé. Il vient d'arriver, hein, mais. Mais juste, bah non, quoi. Alors, Tovic, si tu veux, tu peux retourner là-bas. Tu vas jouer quelques matchs, hein, c'est sûr. Tu vas en jouer, mais. Bon. On a Correa. Ah ouais, prendre la valeur à Marseille, on va te revendre, t'inquiète. Sensi, on va le garder du coup. Je sais pas si on va le renouveler. Stefano Sensi. Je sais pas. Ouais, en bon milieu de second, deuxième milieu, genre. Enfin, milieu de genre remplacer. Voilà, chercher le mot. C'est pas mal. Cent mille en salaire actuel, eh bien, putain. Samba. Non. Salaire, s'il te plaît, propose. Putain.
augmenter un peu ton salaire si tu veux. Ouais, vas-y. Ok, Barella, let's go. Il est jusqu'à quand lui? 3 ans? C'est bien ça. Çalhanoğlu 4, Klaassen 1. Klaassen, je sais pas si je le renouvelle. En vrai, il est venu pour un truc de 1 an, mais. Agumé a un énorme potentiel. Ah ouais? On va le mettre en prêt alors. Denzel, on le garde, c'est sûr. Bissek. Mais c'est vrai que je suis pas sûr s'il y aura du temps de jeu, ça va dépendre du dispositif que je vais faire, parce qu'on a beaucoup de décès du coup. On n'a pas de latéraux. Enfin, latéraux, c'est nos pistons quoi. Ah oui, et du coup, avec le mode par exemple, on a toutes les compositions. Je sais pas s'ils ont actualisé. T'as presque le même jeu que le UV en vrai. Ça me fait rire un peu. Alors, dispositif, juste la keep. Sais pas ce qui serait le 4-5-1, c'est pas zinzin ça. Ah ouais? Ah, je suis pas fan, hein. Ah non, je suis pas fan. Alors, on va créer un dispo. Une terre. Ouais, Inter. Hop. Ouais, ça m'a mis les lettres. Recommandé 4-5-1, 4-3-3. 4-3-3? 4-2-1-3? Le 5-2-3, j'y ai pensé. Non, c'est 5-3-2 que j'ai pensé, pas 5-2-3. 4-2-4. 4-2-4, j'ai pensé. 3-4-3, non. 4-2-1-3. 4-2-1-3. Ça rendrait comment, genre 4-2-1-3? Ouais, non, mais lui je le mets pas en ailier. Hein. Barella, je le mets pas ailier. Hein. Le derrière l'attaquant, c'est ok, mais. Déjà, il y a un problème de défenseur là. T'as Bastoni qui est en milieu défensif là, c'est quoi ça? Putain, c'est passé avec les lettres. Merde. Quatre, trois, trois, ça rendrait comment? Ouais, j'aime bien, mais. Ouais, non, par contre, Bastoni là. Qui joue en milieu de terrain. Pratesi, j'achète pas direct. Enfin, je verrai. Je verrai en fonction dans l'année, je garderai genre 30 bons millions. Ah, s'il prend de la valeur, faudra l'acheter plus cher. Ouais, je crois. En fait, c'est le moment où faut regarder parce que c'est comme ça qu'on va acheter, genre. Ça. Non, le 4-1-2-1-2, il est pas adapté pour nos joueurs. Par contre, la version 4-1-2-1-2 resserrée, je préfère. Mais. Ah, ça, c'est pas mal, c'est juste Thuram, quoi. Non, j'ai pas envie de jouer en 5-4-1. Putain, mais le dispositif il est même pas recommandé, le 3-1-4-2, le truc par défaut. Ouais, je pensais à la défense à 5 comme je pensais à la base. Non, pas lui. Non, pas lui. Oh là là. Oh là, lui. Le 5-3-2, resserré. Ça voudrait dire genre ça. Et Mkhitaryan, on le vend, on achète un 6.
Bon, c'est à ça que je pensais à la base. On a qui comme défenseur? Du coup, on a Pavard. On va faire ça d'ailleurs. Ouais, non, on va laisser Acerbi sur le terrain et quand il descendra, ce sera De Vrij qui prendra la place de toute façon. Attends, ouais. Quadrado. De Vrij, il faut qu'il soit sur le terrain. Donc on va le remplacer par. Comme ça en attendant. Bon, déjà, on va sauvegarder comme ça. Peut-être 5-3-2. Je préfère 5-3-2 que 3-1-4-2. Parce que tu vois, en fait, ils sont plus hauts, Di Marco et Dumfries. Et en fait, dans ce dispositif-là, ils reviennent pas défendre. Ou du moins, ils reviennent défendre, mais comme de la merde. Du coup. Ça, c'est le jeu de l'Inter. Le pressing après la perte de balle. C'est intéressant. Moi, j'aime bien. Ouais, moment clé, j'aime bien aussi. Rapide appel de balle. Hein, de toute façon, là, ça va pas être de débat. Bah, jeu sur les ailes, oui, forcément. Corner, moi, je veux des gens. Franc, je veux. Non, je veux pas trop de gens. Quand on attaque, ouais, c'est ça. Vision sur les ailes. Largeur, profondeur. Qu'on est en défense. Oui, par contre, on va le monter un peu. Mettre comme ça. Ah, j'aime bien comme ça. En fait, j'aime pas avoir une défense basse. Et j'ai envie de tester qu'une défense plus haute. Mais ça a enlevé. Mais ça a tout changé. Mais c'est parce que j'ai changé de jeu. Quel enfer. Allez, Mkhitaryan. Ouais, du coup on a pas avancé de journée, donc il faudra qu'on regarde nos recruteurs aussi. Non, on a tellement de choses à regarder. Lautaro, t'es capitaine évidemment. Çalhanoğlu qui fait tout, hein. De toute façon oui. Je suis d'accord. Quoique donner les pénaux à. Non, Çalhanoğlu dit bien. J'aurais bien donné le corner à Di Marco. Je donnais les deux à Di Marco d'ailleurs. Lautaro capitaine, évidemment, ça c'est logique. Lautaro, dans tout le cas, il restera. Il restera dans tous les cas à l'Inter toute sa carrière. Je le vendrai pas à lui, c'est sûr. Lui, Barella, Bastoni, Di Marco, c'est sûr que je les vendrai jamais. Hein. De l'adversaire a demandé le ballon dans les pieds. En fait, il faudrait qu'on ait un pivot et un dans le dos de la défense. Mais qui je mets qui je mets quoi? Ouais, comme ça, c'est. Ouais, j'aime bien. Les deux, on va leur laisser rester devant. Même si dans la réalité, bien sûr, elles viennent défendre. En fait, j'ai peur que ça crée un déséquilibre en fait de faire ça. Je sais pas. Pire, je changerai. Hein. Çalhanoğlu équilibré. Oui, c'est ça. Non, toi, vous deux, au milieu de terrain, faut que vous restiez au poste. Hein.
Je sais pas. Dans notre compo comme ça, c'est mieux de faire quoi? Marquage serré en vrai. En ligne de passe, lui il est mieux. Essaye d'avoir en attaque toi. Ok, là-dessus on est carré. Di Marco, rejoindre l'attaque. Ouais, bah c'est ça, mix attaque, c'est bien. Monter et serrer l'attaque adverse. On va mettre. Non, on va laisser rester au poste et on fera monter quand ils seront sur les compos plus offensives. Mix attaque, débordement. Ça en touche pas du coup. Alors, l'autre milieu. Rester derrière, oui. Ça en touche pas, ça en touche pas. Du coup, je touche pas en fait, juste. Et voilà. Voilà. On a fait notre dispositif. Maintenant, comment on copie? Ah putain, c'est comme ça qu'on le déplace! Je viens d'apprendre un truc. Ah voilà, comme ça. Donc ultra défensif. Fait du pressing constant, hein, de toute façon. Je sors les ailes là, tant pis. Hein. Et vous, juste c'est revenir en défense, quoi. Voilà. Ensuite. Voilà. Ouais, je vais faire comme ça. Faire comme ça, ouais. Niveau tactique, réduire un peu la profondeur. Voilà. Un sweet, hop, oui, bah c'est un peu long, c'est un peu chiant de souvent au début quand on est comme ça, mais il faut bien le faire. En attaque. On va mettre monter. C'est le seul truc qui va changer. Voilà. Avant, je refaisais tout à la main, je perdais terrain, je perdais un temps de monstre. Monter, du coup, je le remets, c'est normal. Non, c'est pas ça. Toi, tu restes derrière et toi, tous devant. Ça du coup. Voilà. Nickel. Donc là, faut qu'on achète un bon milieu défensif. Qu'on vende à Mkhitaryan du coup. Fratesi, je vais l'acheter en vrai. Hein. Gusto aussi. Parce que si on part sur ce dispositif. Ouais. Augusto, c'est sûr, je vais l'acheter de toute façon. Fratesi, en vrai, j'aimerais le prendre. Il a toujours il a une marge de progression en vrai. Fratesi, t'es où?
En 28 semaines. Ouais, ça le fait en vrai. Alors, il est où? Augusto, là. Il est là. Augusto, on va le prendre tout de suite. Alors, 28 millions. Attends, on va lui proposer un échange de joueurs. Mkhitaryan. Monza. Comme ça. Ça me va. Donc Augusto c'est carré. Ils ont pris du coup Mkhitaryan, c'est carré. Fratesi. Je. Attends. Oui, de toute façon, faut que je le. En vrai, je vais le prendre. Je vais le prendre, Fratesi. De toute façon, je kiffe ce joueur, Fratesi. Putain, ils ont mis une version sans la barbe, enfin, putain. Klaassen, je l'aime pas. Hein. Il vaut rien, donc on va le garder. Ailier Cuadrado. J'en voudrais pas, de toute façon. Trente millions et Cuadrado, ça te va? Quarante-sept millions, c'est cher, hein? 44? Ah, ça fait mal, hein? Ouais. Il faut qu'on parle aux deux, du coup. Augusto et Fratesi, on les prend de toute façon. C'est nos chouchouches. Sûr, t'as à moitié bugué par contre. Tu gardes rotation, ça te dérange pas. C'est bon. 4 ans, ça te va. Pas de clause, ça me va. Putain, le soleil. Pas sûr. Si? Ok. Oh putain, s'il. Ok, Augusto, c'est carré. Kitarian, apparemment, il a accepté. Fratesi. Ça me va. J'aime quand tu me proposes comme ça là. 5 ans, ça te va? C'est bien. Wesh. Oh, t'as pris, mais elle fait mal. Tu veux un peu moins, s'il te plaît? Encore plus dans l'excès, genre fantasy. Intérêt à bien aimer, à bien t'améliorer, hein, je te jure. Non, jamais. Faut qu'on trouve du coup 1 million de terrain. Ok, cool. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Plan d'entraînement, oui, ça, faut qu'on regarde. Pour le moment, on est axé sur la performance pour tout le monde. Il n'y a pas de compète. Bref. Je suis l'équipe. Du coup, c'est Aslani qui est là. Qui a été mis par défaut. Aslani, c'est bas quoi. Au pire, je peux mettre Darmian, c'est vrai. J'y avais pensé. Mais ça veut dire qu'en défenseur, t'as que deux vrilles. Et il nous faut au moins deux défenseurs centraux quoi. Pire, t'auras Bissek. Bissek aura du temps de jeu hein, vu la disposition. C'est pour ça que je le mets pas en prêt. Du coup, Agoumé. Ouais, non, s'il faut qu'il soit en prêt lui. En milieu de terrain, on a Sensi, du coup, on a. Ouais, on a Klaassen aussi, c'est vrai. Ça a marché comme ça.
On a un remplaçant sur le côté. Pire, t'as même t'as Darmian, c'est le Joker, quoi. Mais il faut pas qu'il perde trop de gêne trop vite, quoi. Ok, ça c'est carré. Bien quoi là, Otaro? Faut qu'on gère le CDF maintenant, personnel jeune. On va faire ça plutôt. Je suis curieux. Bon, j'ai reçu des messages, je les lirai tout à l'heure. Écoutez, là ça m'intéresse pas. Accueil transfert. Du coup, ouais, il y a Beauvais qui était intéressant du coup, mais on va pas le prendre, je pense. Beauvais qui doit avoir un sacré potentiel lui. Chercher joueur, oui, ça c'est important. Non, c'était pas le chercher joueur, c'était dans côté recruteur, voilà. Du coup, c'est pas recruteur, c'est comme ça. Ça va, tout ai-je. Oui, on va mettre un tout poste quand même. Tout. De 16 à. Oui, 16 à 30, c'est bien. 2 ans de contrat, c'est bien. Montre-moi juste sur les ailes, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, du coup, défenseur 16 à 26, on va mettre. Contrat, on va pas y toucher en vrai. Et le style de jeu non plus. Faire ça. En fait, c'est surtout l'âge qui m'intéresse. Que je veux pas des joueurs vieux en fait dans mes recherches. Attaque. Voilà. Truc contrat. Ouais, si c'est bien. Là, on va remettre tout. Et justement, on va mettre simplement des mecs qui ont plus de contrat. Genre 0 à 1 an. Et bien sûr, on va mettre des gardiens. On n'y pense pas. Ça, c'est fait. Ensuite, faut qu'on aille chercher un milieu de terrain, quoi. On a tout le mercato pour ça. Éventuellement, encore un attaquant. Putain, la gueule. Le bon pull en plus, nice. C'est les poules de cette année, du coup, en plus, ça va, c'est pas un pull très compliqué. En route, c'est bien, c'est bien. Ah, ils ont pas été mis sur une blague. Normalement ils sont censés. T'as 27 millions déjà. Oh, ça fait mal hein. Ah, c'est l'achat de Fratesi gros. Cherbi il va vite descendre par contre, je le sens mal. Bon, on va faire continuer pour la première fois. Eh ben. Attends, je vérifie. C'est good, c'est. Oui. Allez. Alors, Beauvais. Contrat expirera dans un an.
Un gros potentiel, hein, il écrit. Il a l'air d'avoir de bonnes stats de défense par contre, lui. Beauvais, je l'avais déjà vu, je le connaissais, je l'avais un peu observé dans la vraie vie. Surtout, c'est stats FIFA qui m'intéresse. Du coup, je dis, tout ce qui est vrai, tout ce qui est dans la réalité, on s'en fout un peu. Ok, offre de prêt pour Agoumé, ça c'est bien. Attends, juste par contre. Hop, Darmian il bougera pas, même s'il a 33 ans. Alila là. Près d'un an si tu veux. Sanchez. Tout le plaisir est pour moi. Le BSV vient de marquer. Ouais, en partout! Pardon, je regarde un match en parallèle. Offre de prêt pour Agoumé, Galatasaray. Ah, ça, je préfère. Lautaro, mais tu bougeras pas, gros, t'es intransférable. Juste me permettre, hein, hop. Et bah, Fantasy, tu vas devenir un transfert de toute façon. Lautaro, c'est pareil. Imagine, je mets un genre 87 en prêt, genre. C'est le culot un peu. Di Marco, pareil. T'es intransférable. Ouais, Darmian. Que je recrute un défenseur au même prix, quoi. Ouais, Darmian, si. Si je trouve de bons joueurs, quoi, pourquoi pas. Il y a déjà des joueurs qui ont été proposés ou pas? Mounien. Oh non, pas toi. Ah, il est bon, Mounien, hein. Il est pas mauvais, hein. Mais bon. Toi, tu me dis quelque chose, mais je sais pas pourquoi. T'as déjà trouvé des joueurs ou pas? Qui ton joueur? Ok. Oh! Oh! Toi, on te prend, on réfléchit même pas, gros. Toi, tu vas être un super sub de qualité, gros. Et il joue les autres postes qu'il me faut. Mais toi, tu viens tout de suite. T'es mexicain en plus. Je sais pas pourquoi les Mexicains ils sont toujours sur cheaté genre sur ce jeu, hein, je comprends pas. Poradic. T'inquiète, ça me va. Je veux juste que tu me proposes le salaire, j'ai pas envie. Putain. 80 000, hein. 100 000, ça te va? J'espère que t'es acceptable. Tu vas être un bon super sub toi. Tu vas être un petit peu plus haut que Buissec. Angulo. J'espère que je me fais une connerie. Merde. Un petit peu plus haut du coup. Pas trop, hein. Pas trop, pas trop, hein. Non mais moi c'est bien, ça me fait un plus. Ouais, Charoro. Oh, le normand il est bon lui. Ouais. Pas de choix intéressant pour le moment quoi. Et en attaque, il me propose qui? Non mais Jovic, non. Pas mauvais Jovic, hein, vraiment, mais il est même bon, hein. Même très bon. Mecha. Zales, s'il va pas être vendu. Ouais, non. Soit il nous faut un 6, là, il nous faut un milieu de terrain. Goumé prêté, ça je l'ai lu, c'est bien.
Ok. Allez, partie au Galatasaray. Oh, c'est bien ça. Je préfère le Galatasaray que l'Hilal, donc ça m'arrange. Hop, hop, hop. Çalhanoğlu. Chili. Non. Il fait une vraie offre. Pas Mukili. Plan d'entraînement. C'est pareil en vrai. C'est pareil. Ok. Blablabla. T'as juste, je regarde, y'a qui? Ouais, y'a Liverpool, Newcastle, Villarreal, Cacascouille. Les autres, ça devrait être ok. West Ham aussi à voir. À voir qui on va affronter. En tout cas, Slani, il aura du temps de jeu, ça c'est sûr aussi. Hein. Ouais. Et du coup. Bah, Darmian, j'ai pas renouvelé, non, c'est normal. C'est un peu chaud là, hein. C'est un peu chaud financièrement, il nous manque un poste. Un bon poste quoi. Et là on voit le problème quoi. C'est le 74 le problème là. Je vais mettre Athési mais c'est pas son poste quoi. Je vais mettre Augusto. Et Augusto j'ai pas envie. Non je mets Darmian quoi mais... Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Je regardais un truc, c'est bon. C'est vrai, il a 30 ans maintenant, non? Oh, Liverpool, le premier match. Et qui, attends, je réfléchis à un 6. Richie. Richie, vous voyez. Ouais, bah Richie, il est pas mal, mais je sais pas s'il est aussi haut que je le pense. Si j'écris Rivi aussi. Samuele Ricci, il est où? C'est qui ça, Matteo Ricci? Non, c'est pas toi. A voir s'il est intéressant. En tout cas, il a de belles perspectives d'avenir, ça je le sais. C'est un joueur potentiel. Même un français, pas forcément italien. Genre, y'a qui en 6 qui pourrait être intéressant? Si on cherche Verratti, genre, juste par hasard. Oh, il est plus dessus. Marco! Marco Verratti, no! Ah, il n'y a plus Verratti. No! Je suis dégoûté. Foutre au jeu. On va blesser. Ah bah attends, je peux faire comme ça au pire. Je vais regarder, de hein, toute façon, hop. Oh là, je fais de la merde. On va laisser 16. 16, 27, ça du transfert. Tiens, on va regarder dans les agents libres. Il y a un bon qui se profile. Ah bah non, hein. Ça aurait été beau. À vendre. Ça n'intéresse pas. Pas tout, hein. S'il y a un nom que je connais. Bon, les Almécouilles, là, vous descendez. Ah, Amrabat. Ouais, mais Amrabat, il... Ouais, déjà, il est prêté, et surtout... il est cher.
Ça va pas acheter chez le concurrent direct, Benacer, il est très bon, mais. On peut pas prendre chez lui. Mais pas Çalhanoğlu parce qu'il a moins 2 ou moins 5, je sais plus. Et non, il a moins 5 en fait quand je le mets en milieu bas, alors que bah il joue, c'est son poste en fait actuellement, donc. Depuis le début de la saison, c'est ça quoi. Y a aucun nom qui me dit quelque chose. Enfin, à part si en bas, à la fin, t'en as quelques-uns, mais. Il m'intéressait, non. Bon, on va avancer, on verra. Richie, alors. Ok, Richie, on va essayer de le prendre, mais. Beauvais PSG, on va pas au PSG si tu veux. J'ai combien en budget? J'ai pas assez. Ah, de toute façon, je peux pas. Chier. Il a accepté le transfert du PSG, lui. Je vais à la course! Accepte qui tu veux, frérot. Là, je vais leur refourguer. Quadrado. Oula, pas 908. Ça me bat. Allez, on va négocier Beauvais. Beauvais, c'est du potentiel, c'est comme Aslani un peu. Sporadic, ça me bat. Ah là, c'est bien. On a devancé le PSG, let's go! Juan Cuadrado. F, oui, bon. Je l'ai goûté pour Richie, j'aurais préféré Richie. Mais Beauvais, ça me va aussi. C'est un bon potentiel. Un très bon potentiel. Donc je reste content. De toute façon, on va jouer comme ça, je pense, hein. Dans tous les cas. Est-ce que Aslani, il a le potentiel? Carrément, je vais le mettre. Sinon, je mets Beauvais sur la place, quoi. Attends, je suis curieux. J'ai envie de regarder si Aslani, il y a toujours son potentiel qui était écrit. C'est long, plus long par là, je suis un peu bête. Un potentiel à Slané aussi, ouais. Donc on en a deux. Faut pas les baiser. Beauvais, on va te mettre un plan. Poste. Je veux essayer. Y a Slanish, j'ai pas regardé d'ailleurs, je veux regarder aussi. Ah, Slanish, ça se tente moins. Je suis pas sûr qu'il progresse vraiment. On va le faire aussi en vrai. On va le faire aussi de toute façon. Alessandro Coutinho. Achate mi cantare. Putain, on a 1 heure déjà. La catane hermano. Sono l'italiano. Oh, ça va être une vidéo d'1h30 parce qu'il y a l'Inter qui joue en 30 minutes. Je relance pas un rec. Ok, c'est quoi que je voulais? La gestion des coachs. Est-ce qu'il y en a des nouveaux? Ah, voilà, oui. Ça y est, gros. Je vais en licencier 2-3. Hein. Tant pis, hein.
me casse les couilles de faire ça. Hein. Bah toi, de toute façon, tu vas aller en milieu. Le premier en attaque. Putain, ma souris de merde. Toi, tu vas. C'est exactement ce qu'il faut. Oh, en 5 étoiles défense, je prends. Je prends. Non, c'était pas là que je voulais. C'était en dessous. Bon, j'ai épuisé tout mon max. Mais t'avais de bons gars là. C'est plus intéressant. Non, t'as redé 3 étoiles quoi. Ah, du coup, j'aurais dû faire plus tard quoi. J'aurais pas dû. J'ai perdu un peu de l'argent comme un débile, mais. Bon, au moins j'ai amélioré un peu. Bon, j'ai perdu une étoile en attaque parce que c'est réparti plus en défense milieu, mais. Mais ça me va. Ça me va, ça me va. On va jouer le match de Liverpool. Checker les news. Coutinho veut réussir ses débuts, bah oui. Blablabla. L'entraîneur après la commande du club, cette nomination rassure enfin les supporters. Au poste, ça me semble un bon choix. Qu'il faudra faire gagner le club, tant que c'est le cas, il y a présent de club Inter sans partager le point de vue, beaucoup de changements. Inzaghi était bon, hein! En réalité, Inzaghi est excellent. L'année dernière, il y avait pas mal d'Inzaghi out bah, vers février, tout ça. Mais non, Inzaghi, c'est un putain d'entraîneur en plus. Quand il a les idées claires et qu'il aime vraiment son club, ah bah ça part. Hein. T'as le contre-pressing, c'est fort ça. Tactique. Partir avec le compo de base. Ah, elle a déjà perdu un point d'Armian. Bon, Odero il se blessera pas. Hein. Enfin, Odero Zomer. Du tactique. Je veux voir à quoi ça ressemble. Bon, moi je vais prendre mon meilleur chocolat en attendant. Ah, quel enfer! Pour l'instant, c'est sourire, photo, selfie, parce que c'est son premier match sur ce banc. Mais le plus dur est sans doute à venir. Le coup d'envoi, c'est pour très bientôt. C'est parti, le coup d'envoi donné par Liverpool. Alors, la composition officielle de cette formation dans le but, c'est Yann Sommer, Benjamin Pavard avec Acerbi au centre de la défense. Çalhanoğlu sera associé à Nico Barella au milieu. On se et retrouve avec pour l'équipe finir, dès ça le va début être là. une attaque à deux têtes. Voilà les joueurs qui débutent côté Liverpool. Acerbi, wesh! Ouais. Çalhanoğlu. Allez! Et ça joue sur Marcus Thuram. C'est contré Dommage. par Konaté. Dommage. Dommage. À la gorge. Gravenberg. Ballon pour Darwin. Allez. On y croit là, gars. Darwin Núñez. Liverpool avec le ballon pour tenter quelque chose. Paisetic. Et ici l'occasion pour. Oh, c'est but. Ouais. Et voilà le but. Goal à peine installé. Déjà un but. Allez. Et voilà, regardez ça. La passe est bien éliminée. Ah, Pavard. Et trouver l'attaquant dans une position idéale. On aurait pu faire mieux, Pavard. Conclure l'action, une frappe puissante pour tromper le gardien. C'est le tir de l'instructeur kamikaze. Attention, je ne le dirai qu'une seule fois. Bastoni. Aslani. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. C'est un ballon pour Çalhanoğlu. Oh, dommage! Le dégagement de Konaté. Darwin Núñez. Et l'équipe reprend la possession. Marcus Thuram avec le ballon. Qu'est-ce que c'est bien défendu! Darmian, on va le vendre, j'aurais dû accepter. 10 millions. C'est son premier match sur le banc du club cette saison. L'attente est énorme. Autre chose que le titre.
ça serait perçu comme une déception. Il doit vite montrer ce dont il est capable. Mais on le connaît, on sait qu'il a la méticulosité et la maturité qu'il faut pour ce poste. Méticulosité, capacité d'une personne à être d'une grande précision dans l'exécution de ses tâches. Peut-être un bon mouvement offensif pour Liverpool. Et ça joue sur Cody Gakpo. Voilà, c'est un bon centre dans la surface. C'est dégagé. Très bonne intervention sur ce ballon. Le ballon vers Joe Gomez. Bonne couverture avec son corps pour conserver le ballon. Très bon timing sur cette interception. Et il y a un gros pressing. Oh, c'est mal joué ça. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Bien parti dans le dos. Et le break est fait. Hein ? C'est possible. Et les voilà avec une avance confortable maintenant. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Federico Di Marco. Aslani. Le ballon pour Dumfries. Nicolo Barella avec le ballon. Lautaro Martinez. Ah, bien joué. Et oui, voilà ce but. Sans doute pour amorcer une remontada. Et il faut y croire. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. On voit ensuite la finition côté fermé qui trompe le gardien, qui me semble battu un peu trop facilement sur son premier poteau. Ah, évidemment, pas besoin de pousser, il mène au score. Alors, autant conserver le ballon. Je vais passer en personne après une patte de perte de balle. On peut se projeter dans le camp adverse. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Oh, c'est bien joué. Oh là là, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué. Voilà la grosse performance. Deux buts coup sur coup pour revenir au score. Beaucoup vont dire que c'était trop simple et trop facile. Mais c'est rendre les choses simples. C'est ça le vrai talent. Quel retournement de situation. C'est fort de recoller comme ça au score. Mentalement, c'est une grande performance. Darwin Núñez. Robertson. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Attends, j'ai dit quoi à mes attaquants? Enfin, pas mes attaquants, mais mes... Ouais, Liverpool qui tente de porter le danger. Le ballon pour Mohamed Salah. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, j'ai eu la compo. Ça y est. Attendez, je regarde la compo. Alors, j'ai la compo, mais j'ai pas la compo. C'est quoi cette merde? C'est intercepté par les montants. Peut-être la prochaine, on verra bien. Oh, Dumfries! J'avais pas vu! Hey, Dumfries! Il faut se remettre en place maintenant. Ah, ça y est, depuis le temps qu'on en parlait de son transfert, c'est chose faite désormais. Effectivement, c'est un dossier que tout le monde suivait de près. Alors, Darmian, Acerbi, Augusto, Quadrado, Fratesi. Ouais, bah, c'est la compo qui était annoncée, ok. C'est Sanchez à la place de Lautaro, c'est normal. Ah, bon pressing, ce ballon est perdu et ils vont pouvoir se projeter en attaque. Oh! Il est bien vigilant. Alors, un changement côté Liverpool. Ok, ouais. Ouais, j'aime bien. On va aussi faire des changements, nous. On va être Bové, déjà.
Faire entrer De Vrij. Faire entrer Augusto. Fratesi aussi. Et Sanchez. Bon, il y a Arnautovic, allez. Change toute l'équipe. Allez, Bissek. On va se faire manger. Regardez tous ceux qui se barrent. Oh mon dieu. Y'a qu'un seul gars que j'ai pas changé, gros. Y'a qu'un seul gars que j'ai pas changé, genre. Ah si, j'ai changé tout le monde. Pardon, je suis drogué. Allez, bien frappé ce corner. Et non, finalement, ça ne mène à rien. Et ballon bien intercepté dans le camp adverse. C'est contré par Konaté. Et le ballon est dangereux, mais il sort finalement en corner. Le corner. Un corner trop sur le gardien, c'est mal tiré. Alexander Arnold. Aïe aïe aïe, ballon perdu. Et le juge de ligne là qui lève son drapeau pour un retour de position de hors-jeu. Oui, mais c'est donné un peu trop vite aussi. Il y a un changement là pour Liverpool. Luis Diaz reçoit le ballon. Allez, Bissek. Et ça joue sur Robertson. Ballon pour Alexander Arnold. Ah, c'est bien joué. Séquence de possession en attendant, en cherchant la brèche. Oh, il la frappe. Ah, j'en meurs. Bon arrêt, mais c'était pas fini. Quelle belle occasion gâchée. Le ballon file en 6 mètres. Très bon arrêt. J'ai même pas vu la compo en face, du coup. J'ai pas fait gaffe. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Oh, elle est belle! Derrière! Non! Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. D'ailleurs, c'est toujours bugué en haut à gauche. Diogo Jota. Le ballon sur Mohamed Salah. Oh, frérot! Allez, c'est le moment pour Liverpool de tenter quelque chose pour s'imposer. Diogo Jota avec le ballon. Et c'est pour Alexander Arnold. Allez, contrer cette frappe. Alexander Arnold avec le ballon. Avec Diogo Jota. Diogo Jota. Ouais. Oh, c'est le but décisif. Peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes. Quel match incroyable! Je veux être ultra offensif volontairement. Un match avec un but qu'on n'attendait plus et qui vient leur offrir la victoire après tant d'efforts! C'est peut-être là une des dernières attaques pour l'Inter. Bastoni. Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Meilleur jeu. Refusé, le drapeau s'est levé. Pas me faire des choses comme ça. Je m'enflamme et puis rien du tout. Et ce sera 2 minutes de temps supplémentaire. Gravenberg. Vas-y, siffle. Oh, au pire, attendons. Le ballon est récupéré. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Bon, c'est fini. Ah bah là il s'est foiré. La fin de cette rencontre, l'Inter Milan s'incline. Il y avait des trous en plus. Ouais, ok. C'est dommage. J'ai plein de trucs à changer. Déjà, on va passer en perte de balles. Merde. C'est pas ça que je voulais faire.
Attends, est-ce que du coup en... Ah, ok. Pourquoi ils sont équilibrés en montée alors? Non, on va aller en équilibre, rester en équilibré genre. Barella, si tu veux me monter, mais Çalhanoğlu reste en équilibré. Attends, non, attends. Perte de balle. Là, tu montes, ça me va. J'avais que ça à toucher, de toute façon. Ouais, c'est ça. Juste, plan d'entraînement. Là, on va être axé sur l'énergie, juste le temps. Le temps des matchs, après on mettra performance jusqu'à Monza. Voilà. Si. Je suis pas chaud. Compte d'Armium, du coup, on va le vendre. Il a encore de la valeur, autant en profiter. Hein. Il va perdre du point. Hein. Damien, il est beaucoup plus haut. Il a déjà perdu un, il a déjà. Ouais. Damien, il a dit je donnerais tout pour l'Inter, mais sur FIFA, il est nul. Je suis dégoûté. Transfert. Non, c'est pas ça, je veux. Estevez très fort. Estevez potentiellement plus tard. Wesh, comment ça cette clause là? Cette clause, c'est quoi cette clause de fou là? Medina, il est bon. C'est un autre Mexicain, mais pareil. Kiawar, ça va être comme, comme l'autre. Non. Recruteur. Juste que je regarde en attaque. Hugo Etiquette là. Hugo Etiquette, il est indésirable à Paris, l'année prochaine je le prends. Hein. Jeu contre Almeria du coup. Attends, on a perdu le match? Ah oui, c'est vrai, on a pas eu 3-2, je crois qu'on avait 2-2 dans notre tête. Oh putain, je suis con. Je vais en mettre Beauvais. Il est où Beauvais? Allô, il est où Beauvais? Tu es aveugle. Pas là. Pas là. Voilà. Darmian, je vais le mettre titulaire d'ailleurs. Place de Bastoni. Je vais quand même remettre sur le terrain à la place de De Vrij. Mettre un cla... Ah, Claesson là, ça marche. Ok. Ah.
C'est vrai que j'avais pas pensé à Klaassen. Ouais. Joue vraiment la solidité dans un gros match, je mets Klaassen, ouais. Çalhanoğlu, du coup, c'était qui que j'avais mis? Boy. Ah ouais, attends, regarde, je vais faire ça plutôt. Voilà. Bové. J'ai mal au bras. Putain, mais c'est Darmian le capitaine d'ailleurs. Je viens de regarder là, je suis retourné sur la compo. Bah c'est normal en vrai hein. C'est normal que ce soit Darmian hein. Y'a pas Barella, y'a pas Bastoni, y'a pas Lautaro. Et personne ne le mérite. Ouais, j'aurais dit Darmian, Acerbi ou Di Marco. Mais plus Di Marco sinon. Ouais, pas Acerbi. Darmian c'est mérité, ouais. Ouais, ce que j'aurais fait, Darmian ou Di Marco, ouais. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Mais Darmian c'est bien. Je préfère Darmian que Di Marco. Enfin, il a plus le leadership Darmian. Alors, voilà la composition officielle de cette équipe dans le but. C'est Yann Sommer, Benjamin. Qui c'est qui joue à droite normalement? J'ai mis à gauche. Sera épaulé par Klaassen au milieu de terrain et donc pour finir cette formation avec deux éléments offensifs. Benjamin Pavard. Benji Interista, allez. Qui tente de porter le danger. Oh bah elle est là. Très bonne position. Oh là là. Oh et le fiston. Déjà le premier but. Quelques minutes de jeu. C'est bon et c'est bon. Oh le festin. Lautaro, son placement qui était useless là. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Oh là là, barré là gros. Boulogne Mendes. Bon ballon, il faut s'appliquer maintenant. Ouais, je regardais le placement de Barella par rapport à Klaassen vu que j'ai mis Barella monté et pas lui. Là, du coup, il est plus haut et il défend beaucoup moins, j'ai l'impression. C'est normal en vrai. Ouais, il bien frappé cool. Ce corner et ce corner est renvoyé par la défense. Ballon contré, mais ça revient. Bah, il résiste bien à la pression. Et ouais, l'égalisation viendra avec la patience et sans se précipiter. Oh, c'est belle la passe. Oh, dommage. La bonne parade du gardien. Dommage, ratio, chez. Dommage. Il y a un coup franc pour l'adversaire. Bah là, il s'embrouille tout seul. Et le bloc reste bien bas pour obliger l'adversaire à monter. Le ballon pour Barella. Non, elle est sortie, non? Et ça joue sur Marcus Thuram. On va non du coup. Le ballon qui vient écarté. Ballon récupéré dans le camp adverse. Dommage. Mendes. Il y avait le jeu, c'est dommage.
faut lui proposer des solutions là. Ça repart pour les interistes. Matteo Darmian. Barella. Ah, il y a une faute, mais l'arbitre. Oh, bah oui, il y a faute. Hein. Mauvaise intervention. Mmh. Et il pourrait bien y avoir un. Il y a faute et on perd la balle, du coup, logique qui siffle. Et le ballon pour le gardien, malgré cette grosse occasion. Normal. Ouais, les supporters attendent la frappe. Ouais, la belle série de passes pour aller tenter d'égaliser. Ouais, il y a un peu d'espace dans l'axe. Je suis content là. Je préfère largement ce match que celui d'avant. Ouais, c'est pas la même intensité, c'est pas les mêmes joueurs. Mais j'aime bien là. Ah, Barella, normal. Le début de la seconde période est toujours un but d'avance pour l'Inter. Mais fais-la, Di Marco! Et ça joue vers Lautaro. Eh oui, le tir! Et le réflexe, magnifique! Et le changement va donc avoir lieu. C'est bien parti pour ce corner. Aucun souci là pour la défense. Ballon dégagé. Et depuis le temps qu'on en parlait de son transfert éventuel, c'est maintenant confirmé. Là, Tchernoglou, il te le fait, quoi. C'est un dossier que tout le monde suivait de près. On parle de l'équipe du football mondial. Attention là, hein, Bissek. Heureusement, ton tour de Cherby surveille, quoi. Luis Suarez. Oboulang Mendes. Le ballon circule en attaque. C'est une récupération pour l'Inter. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. En bas. Darmian. Darmian. Le ballon pour Barella. Et ça revient sur Barella. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Ouais. On va faire le changement. Votre Beauvais, j'ai bien aimé. Faire rentrer Sensi. Non, du Marco, on va laisser. Puis c'est qu'on va enlever. Ah ouais, ça marche comme ça. On va faire ça alors. Je pense que ça marche comme ça, Tchalanoglou. C'est logique. Contre Sanchez, on va le mettre à la place de Thuram. L'offensive progresse bien. Peut-être une occasion bientôt. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et je crois qu'il a déjà joué défenseur central, Beauvais. Je crois qu'il a joué un match pour dépanner. Ça me dit un truc. Peut-être que j'invente et là dans ce cas c'est un peu con. Allez, faut essayer d'aller provoquer la défense. Oh, bien joué. Lautaro Martinez reçoit le ballon. Lautaro. Le ballon est récupéré. Les 20 dernières minutes de la rencontre.
Luis Suarez. Et le tir. Oh, c'est contré. Et ce corner peut leur donner l'occasion de revenir au score. Ballon dans la surface. Sans prendre de risque, la défense. Oh, elle est belle. Et voilà ce but qui vient ramener les deux équipes au même niveau. Si tu récupères le ballon très haut, tu peux de suite à te procurer une action dangereuse. C'est bien joué. Federico Di Marco avec Alessandro Bastoni. Projection vers l'avant là pour l'Inter. Ah, il y a un bon pressing. Alors il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer. Il laisse l'avantage. Un ballon sur l'aile pour aller porter le danger. Cette attaque peut être décisive. Un but maintenant et c'est fini. Luis Suarez. Et une possibilité là pour centrer. Oh oui, la frappe. Frappe contrée, mais ce n'est pas fini. Oui, c'est bien fait. Oh, c'est mal fait. Et c'est oh, c'est bien fait, c'est mal fait. Pourtant, une occasion de passer devant. Lautaro Martinez. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Il faut centrer là, là-dessus. Oh non, tu marques où? Dommage. L'arbitre qui siffle la fin de ce match, c'est donc un résultat nul. Darmen est de trop. Rodrigo Arsenal, eh bien. Non, Macan. Bachan. Ok. Moi, ça va être intéressant. Alors, étiquette. Warren, d'ailleurs, je vais aussi le mettre. Dans quoi? Bah Warren, c'est mort, du coup. Vu la valeur. Oui, attends, il y avait reste. Guillaume reste intéressant lui. Ouais non. De Vrille. Non. Non. Devez. Potentiel de zinzin. Déjà jeune 78. Ouais, 17 ans, tu m'étonnes. Tu m'étonnes la valeur marchande. La Juve. Enfin le Torino, mais bah bon, je sais pas. De toute façon, il va perdre des points. Bon, tu manges d'un petit million. J'ai dit, tu manges d'un petit million. Voilà. Allez, gris de moche là.
Voilà. Sorry Darmian, hein, du coup, hein, mais je t'aime vraiment beaucoup dans la vraie vie. Hein. You Darmian, là, hop, comme ça. Essuie-glace. Voilà. Attends, du coup, hop, accès sur l'énergie. Tous les joueurs, enfer. On a combien de... 47, non, c'est pas ça. 39, voilà. Ça change. C'est le chat. Bon, on fait le dernier match ou pas? 8. Match qui commence dans 5 minutes. J'ai envie. Alors, on va partir avec la compo de base. Sauf que je vais mettre Beauvais sur le banc. Du coup. Que Beauvais il est cuit un peu là. On va laisser Sensi. Voilà. Peu importe l'âge, peu importe le moment, les quelques secondes juste avant le match, c'est déjà du foot, mais sous une autre forme. C'est le football qui s'imagine, le football qui se pense, le football qu'on attend. Et c'est pour ces moments que ce sport est grand et qu'on l'aime. Alors installez-vous et préparez-vous à rêver. On va vivre ça ensemble dans un instant. Et donc début de cette première période. Et un œil sur le 11 de départ de cette équipe dans le but. C'est Yann Sommer, Benjamin Pavard avec Acerbi au centre de la défense. Et enfin ce duo en attaque. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Avec le ballon, l'Inter pour tenter quelque chose. Barella qui reçoit la balle. Le ballon qui sort, remise en jeu pour l'Inter. Attendez, je vais suivre de loin. Je vais suivre de loin le match, hein, mais je vais allumer la télé. Merde. Guimaraes, serré du ballon. Voilà. Ah, le corps bien placé en opposition. Ah, la bonne lecture pour stopper cette offensive. C'est un grand jour pour tout le monde puisqu'une nouvelle aventure démarre officiellement et sa performance évidemment va être suivie de très bien. Effectivement, un latéral c'était nécessaire pour donner un peu plus de solidité en défense. Cette arrivée va leur permettre d'apporter une solution supplémentaire sur le côté. C'est un profil capable de défendre, mais aussi de se joindre à l'attaque si nécessaire. Ça. Et ça joue sur Trippier. Et l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Ah, le centre est dévié, ça méritait plus d'application. Lautaro.
sur l'aile. Les interistes ont un peu de liberté. Le centre, il y a du monde. C'était bien tenté, mais le gardien est bien placé. Il met bien son corps en opposition pour conserver cette balle. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Et finalement, ce centre ne donne rien. Ouais, c'est bien fait, la protection de balle. Bon vieux dégagement en touche. Dommage. Parcours se goutte. Le ballon qui est perdu. C'est un ballon pour Çalhanoğlu. Avec Lautaro Martinez. Réception de Çalhanoğlu. Assez bien fait. Le centre en retrait. Oh la parade! La parade d'anthologie de Dubravka. Elle a bien tiré dans la surface. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Vers la surface. Le centre part bien. C'est bien joué. Le gardien intercepte sans trop de difficultés. Bruno Guimaraes. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Marcus Thuram avec le ballon. Nicolò Barella avec le ballon. Trop bas là, non. Porté en défense, belle anticipation. Bruno Guimaraes. Des solutions en attaque là. Oh bah là le festin. C'est un ballon pour Çalhanoğlu. Oh c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est au fond, les filets tremblent. Voilà comment bien s'installer dans une rencontre. C'est la meilleure physionomie possible. Si près du but, le bon geste au bon moment. L'art du but, c'est l'art de l'économie du geste. Jamais plus, jamais moins. L'efficacité, point. Je vais faire simuler. Il faut que j'arrête. Enfin, je vais arrêter. Çalhanoğlu et Gordon, ok. Oh la vache, 5-0. Ouais, en tout cas, je suis content de ce que j'ai vu. Je suis content de ce que je suis en train de faire là. Juste dommage, il nous manque un bon milieu de terrain quoi. Et j'espère qu'Acherbi tombe. Ouais, il a perdu un point là. Ouais, Mercato Hivernal, faudra faire un truc à mon avis. En tout cas, l'été prochain. De toute façon, Pierre Augusto il prendra la place de genre Bastoni, que Bastoni ira au milieu. Ça se fait aussi. Ah, Minspar est en train de se lancer. Ah, il y a l'hymne, ça y est. Il est 21h pour moi là, ça y est. Atalanta. Ça, d'accord, on est content. Tu veux, gros? Moi je pense sur un truc long terme là frérot. Voilà, juste regarder du coup toutes les compositions, ça actualise ou pas? Ah ouais. Tu vois 82-82 quand même. Hein. Ok. Bah sur ce du coup je vous laisse. Hop. Puis salut.